j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être un tome de mes abonnés ont un incroyable talent. Du coup, concernant les créations, tout ça, j'envoie un message privé à toutes les personnes qui passent dans les vidéos, en fait, pour leur donner mes avis constructifs sur chacune des créations, leur donner des conseils, même si des fois je n'ai vraiment rien à dire. Je fais tout ça en privé pour éviter que les vidéos durent des heures et des heures. Sur les vidéos, c'est vraiment pour vous les présenter et mettre en avant ces personnes avec du talent. Et du coup, je commente, je leur donne des avis, tout ça, que en privé. Si vous voulez m'envoyer des colis, parce que je reçois je ne sais combien de messages ou de commentaires sur mes vidéos YouTube là-dessus, il faut uniquement m'envoyer un message sur mes réseaux sociaux qui se trouvent en outro. Donc l'outro, c'est la fin de vidéo. Ou via ma boîte mail qui est en barre d'infos. Je ne passe jamais sur YouTube. Et si vous voulez m'envoyer du coup un colis, avant, il faut m'envoyer des photos de créations que vous savez faire, afin que je puisse un peu voir votre niveau, tout ça. Car je ne peux pas prendre tous les colis, sinon c'est juste impossible pour moi à gérer. Donc nous avons tout d'abord une jeune fille qui m'a envoyé un message sur Facebook. En fait, c'est la maman qui m'a envoyé un message. Du coup, je vais vous montrer les créations de la jeune fille. Donc tout d'abord, il y avait un petit mot dedans. Du coup, coucou Lucie, j'espère que Loustic va bien et toi aussi. Je t'ai composé un swap de 8 cadeaux que j'ai fabriqué en un jour. J'espère que les créations te plairont. Donc je tiens à préciser quand même que la rapidité de tes créations, ça a rien d'être rapide. Le principal, c'est de se faire plaisir et d'essayer de faire le plus réaliste possible si c'est son but de création, bien sûr. Ah, du coup, c'était en forme de swap, mais je l'ai pas du tout je l'ai déjà ouvert. Donc je l'ai ouvert en forme de swap, mais j'ai pas filmé. Du coup, je vais vous montrer les créations une par une. Donc dans le premier, il y avait des friandises pour Loustic. Donc voilà, je lui ai pas encore fait goûter, mais je pense que ça peut lui plaire, même si monsieur est assez compliqué niveau friandises. Le 2, c'était des petites crottes, donc comme ceci, il y en avait plusieurs, et en voilà une dernière. Donc c'est plutôt pas mal pour tout ce qui est petits détails dans les mises en scène. Ensuite, en 3, il y avait des bonbons pour moi, du coup voilà, ils sont aussi, eux par contre, ils sont déjà mangés. En 4, il y a une couverture. Donc la voici, elle est rose comme ça, donc je vais vous montrer sur un de mes chevaux. Donc la voici une fois mise pour ce cheval, donc elle est un petit peu, elle est un peu grande pour ce cheval là. Donc à voir pour sur une autre, un autre moule peut-être un peu plus grand, un peu plus épais, parce que là on peut voir que déjà j'ai pas serré à fond. Mais voilà, c'est peut-être un peu grand pour cette jument et encore ça peut aller je pense. Donc voilà, elle est vraiment très jolie cette petite couverture. Ensuite il y avait un petit licol dans le même ton, donc rose avec des petits strass. Donc c'est pareil, je vais essayer sur cette jument là, je pense que ça peut lui aller. Du coup finalement ça va pas du tout à la jument lusitanienne, du coup j'ai essayé sur d'autres moules, donc là c'est encore un peu compliqué pour attacher. De toute façon j'ai bien trouvé au fur et à mesure à qui ça ira, hein. je vais le tester sur plusieurs chevaux. Donc là sur le Camac ça peut aller, mais simplement je ne peux pas attacher, c'est trop court. Donc je pense que ça va plutôt un poney, encore un petit poney, mais pas un trop petit poney en fait. Donc bon, je testerai sur plusieurs chevaux et je verrai bien sur quoi ça va. Ensuite on avait un tapis comme ceci, donc rose aussi avec deux strass des deux côtés. Nous avons du coup la longe qui va avec le licol, un bonnet, un petit strass sur le côté. Donc là je pense que c'est vrai avec ce cheval là, mais je suis même pas sûre. Non, bon bah je verrai sur quel cheval c'est, au pire je redemanderai via la maman sur Facebook. Mais je pense que c'est plutôt un équipement poney je pense, parce que le bonnet est vraiment tout petit, mais il est vraiment super bien fait. Et pour finir, on avait aussi un licol type Schlesch. Donc c'est une sorte de licol de présentation, on va dire. Donc là, normalement, ça va avec à la jument lusitanienne sans trop de problèmes. Donc là, effectivement, ça lui va bien. Je trouve la chenille un peu épaisse par rapport au cheval. Ça va encore, mais je pense que ouais, ça va même peut-être limiter un cheval de trait, celui-là, ce petit licol-là. Donc dedans, il y avait aussi des petites pommes, comme ceci. Bon, il vient d'en faire tomber une. Il y en avait quatre. Et il y avait un cure-pied. Donc compliqué à vous montrer, voilà. Et il y avait un petit cœur comme ça, tout mignon, avec écrit Haribo dessus. Donc je sais pas qui est Haribo, mais c'est vraiment tout chou. Et du coup, elle vend des créations, des schlèches, tout ça sur son Vinted. Donc je vous mets le Vinted en barre d'infos. Donc je remercie énormément cette jeune fille de m'avoir fait ces très jolies créations. Donc ensuite, les prochaines créations viennent d'une fille sur Instagram. Donc c'est Sadlery Schlèche. Je suis désolée si j'écorche ton pseudo. Donc voilà le petit mot. Salut Lucie, j'espère que tu vas bien. En tout cas moi oui. J'espère, j'adore tout ce que tu fais. C'est pour ça que je te fais des créations pour te faire plaisir. Et bien sûr pour que tu puisses me donner ton avis. Il n'y a pas grand chose mais j'espère que ça te plaira. Bisous. Du coup il y avait plein de petits mots donc je vais pas vous les lire. C'est surtout pour savoir un peu avec quoi ça va. Du coup tout d'abord on avait un tapis comme ça qu'elle liserait vert et jaune.
un super tapis. Celui-là, je le trouve vraiment très très beau. Enfin, je préfère celui-là parce que c'est plutôt des couleurs qui me correspondent le mieux. J'aime beaucoup le bleu. Bleu et rose, donc j'utiliserai vraiment les deux en shooting, ça, il n'y a pas de souci. Il y avait une longe avec un lit col en cuir, donc je vais essayer sur un cheval. Donc voilà à quoi ça ressemble sur la jument lusitanienne. Donc là, il est un petit peu grand et je ne l'ai pas réglé correctement derrière. Voilà, on peut voir que je pense que c'est plutôt un taille plus gros chevaux, plutôt de trait. Ou sinon, on peut régler là. Donc au niveau de la boutique, vous verrez, il y a beaucoup de créations réglables. Donc on peut régler ici, donc c'est vraiment pas mal du tout. Donc après, j'ai juste à le régler et puis il ira très bien à la jument. Ensuite, il y avait une cordelette dans le même ton que le tapis. Une longe qui va avec du coup le prochain lit col qui est comme ceci. Donc c'est un lit col en ruban avec une petite natte devant. Donc je vais essayer aussi sur la jument. Donc voilà ce que ça donne. Je trouve que ça lui va super bien la jument lusitanienne. Il est vraiment super beau pour cette jument. Je pense qu'il ira cette jument là. Hein. Du coup, pareil que l'autre, il est réglable. Bon là, je ne l'ai pas remis dedans. Normalement, il faut le remettre dans la boucle en dessous. Mais là, pour que ce soit plus pratique et plus rapide en vidéo, je ne l'ai pas remis dedans. Mais pour les shooting, il faudra que je le remette dedans, sinon c'est pas très joli. Et vraiment, il est vraiment super joli. Donc il est réglable, surtout au niveau de la têtière. Donc vraiment tout tout mignon. Et ensuite, pour finir ce colis, il y avait une martingale, comme ceci. Donc voilà, donc on doit. Ça, c'est au niveau de la sangle. Ça, c'est au niveau de la selle. Et ça, c'est au niveau du cou du cheval. De l'encolure du cheval plutôt. Donc voilà, donc je ne l'ai pas encore essayé. Elle est vraiment très très jolie. Donc dedans, il y avait aussi cette sorte de. Voilà, sa carte de visite. Donc on peut la retrouver sur plusieurs endroits sur Instagram. Donc voilà, je les mets en barre d'infos bien sûr. Et il y a un petit mot trop mignon derrière avec un petit dessin. C'est tout chou. Donc voilà, c'est vraiment mignon et merci à toi du coup de m'avoir offert tout ça. Ensuite, pour finir cette vidéo, on a un colis de Kit Kat Schleich. Du coup, c'était présenté dans une sorte de pochette comme ceci, avec un enroulé d'un petit ruban bleu. Donc il y a aussi un petit mot, donc lui il est plutôt long. Enfin, c'était aussi envoyé en forme de swap que j'ai ouvert avant, parce que j'ai pas le temps en fait de filmer en même temps. Donc coucou Moustique et Lucie, j'espère que tu vas bien, moi ça va, je t'envoie des créations pour que tu me donnes ton avis. Pour les créations, il te faudra les talons Sheer de 2017, le poney gallois de 2018, les talons Fjord 2014 et un chien, donc on va chercher tout ça. Du coup, étant donné que Sheer 2017, il n'y en existe pas, j'ai pris le Clé d'Esdal. Je pense qu'elle voulait plutôt dire le Clé d'Esdal. Du coup, il y avait une cordelette qui va plutôt à un poney. Du coup, il y avait une petite cordelette comme ceci. Il y avait un tapis bleu, un tapis rose, un tapis jaune. Donc, c'est des tapis vraiment tout simples. Hein, et un tapis orange. Ensuite, il y avait un lit col éthologique bleu comme ceci. Donc, on va essayer sur le cheval. Donc, voilà ce que ça donne sur le fjord, ce côté. Donc, c'est exactement ma méthode. Bah, c'est exactement le même style, en tout cas, de méthode. Je ne sais pas si elle a utilisé mon tuto pour le faire ou pas. Mais en tout cas, c'est exactement le même principe. Ensuite, il y avait qui allait avec ce lit col éthologique. Il y avait une longe bleue et blanche. En plus, il y avait une longe jaune. Hop. Il y avait une autre cordelette bleue et blanche. Il y avait aussi deux petits crottins. Du coup, il y a comment dire, un collier pour chien. Donc, on va essayer sur mon petit chien. Bon, bah, finalement, il est trop court pour mes chiens. Donc, je pense qu'il irait plutôt avec mes chiens qui sont sur mes étagères, mais elles sont pas proches de moi. Donc, bah, pour celui-là, ça va pas, il a un pelage trop épais. Du coup, bah, je le mettrais plutôt pour un autre chien, un plus petit chien, plutôt un chiot, ou plutôt un bulldog que j'ai. Ensuite, il y a un jouet pour chien, il est vraiment super chou, il est tressé, mais super bien tressé et vachement serré. Alors là, bravo. Ensuite, il y a un lit col en cuir comme ceci. Donc voilà ce que ça donne, c'est vraiment très très joli. Donc pareil, il est réglable au niveau de la tête, donc c'est vraiment tout mignon. Ensuite, il y avait un lit col comme ceci en tissu noir cette fois-ci. Donc celui-là, il est plutôt taille pour un cheval de trait. Donc là, c'est le Clé d'Esdal avait écrit Sheer sur sa feuille, mais au niveau des dates, ça allait mieux avec le Clé d'Esdal. Bref, donc voilà pour le lit col plutôt de cheval de trait. Et le dernier, c'est un lit col bleu, blanc et turquoise qui va, je pense, plutôt au petit fjord. Finalement, je l'ai mis au poney Welsh, donc poney gallois si vous voulez. C'est exactement la même race. On voit qu'il est un petit peu grand pour ce poney quand même, mais au niveau du nez du fjord, bah, c'était trop, trop serré. Donc j'ai pas voulu forcer et pas casser. Donc j'ai préféré le mettre sur le Welsh. Donc c'est vraiment super super joli. Je trouve que ça a beaucoup de détails et j'aime beaucoup le fait que ce soit deux, trois couleurs différentes. C'est vraiment super joli. Donc merci aussi à toi de m'avoir offert ces jolies créations.
Donc voilà pour les trois personnes que je voulais présenter dans cette vidéo. Je vous invite à les suivre sur Instagram que je vous mets en barre d'infos. Donc je les remercie encore beaucoup pour m'avoir offert tout ça. C'est vraiment super gentil de votre part. Vraiment, ça me touche énormément. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!